Sheila participe à un concours de beauté. Le prochain défilé aura lieu dans 30 minutes. Sheila laisse ses affaires dans sa loge et sort pour passer un coup de fil. Quand elle revient, elle voit que quelqu'un a déchiré son costume. Sheila, furieuse, interroge ses concurrentes. Millie répond « J'étais en train de me faire maquiller. J'étais assise sur une chaise sans bouger. Je ne pouvais pas regarder autour de moi. » Chelsea déclare « J'étais dans les toilettes. Je crois que mon déjeuner m'a rendu malade. » Et Isabella dit « J'étais devant la loge en train de faire une vidéo pour mes abonnés. » Qui ment ? Millie, si elle vient de se faire maquiller, pourquoi s'est-elle appliqué un masque sur le visage ? Sheila se rend dans le débarras afin de trouver une nouvelle robe. Soudain, la porte claque derrière elle. Elle doit entrer un mot de passe de 8 lettres pour pouvoir ressortir. Sheila doit être sur scène dans 5 minutes. Peux-tu l'aider à déchiffrer le code ? Cette image sur le mur est un indice. Sheila doit entrer 8-8. Sheila ouvre la porte et tombe sur deux rats terrifiants. Elle s'enfuit, mais se perd dans le sous-sol. Puis Sheila trouve ses trois portes qui conduisent à la salle de spectacle. Chaque porte cache un danger. Il y a des fils électriques dénudés et une flaque d'eau derrière la première porte. Il y a un scorpion derrière la deuxième porte qui n'attend que de piquer Sheila. Et il y a un portail magique menant au sommet d'une montagne derrière la troisième porte. Peux-tu aider Sheila à faire le bon choix ? Elle doit choisir la première porte. Il y a assez d'espace, Sheila peut passer sous les fils. Sheila monte sur scène et voit trois choses bizarres dans la salle. Peux-tu les voir aussi ? Regarde cette dame de plus près. Elle tient un livre à l'envers. Il n'y a pas de corde sur le violon de ce musicien. Et il y a un panda parmi les spectateurs. Sheila gagne le concours de beauté. Elle reçoit un diadème en diamant et un chèque. Elle se rend dans les coulisses. Soudain, toutes les lumières du bâtiment s'éteignent quelques secondes. Lorsque la lumière revient, Sheila s'aperçoit qu'on lui a volé son diadème. Elle interroge ses trois rivales. Zoé dit « Je ne veux pas de ton diadème bon marché, mon père est milliardaire. » Jasmine répond « Quelqu'un vient de me pousser et a déchiré ma robe. » Et Rachel déclare « Tu as dû le faire tomber par terre, regarde mieux, qui a volé le diadème ?» C'est Zoé, elle l'a caché sous son collier de diamants. Le lendemain, Sheila se réveille dans un château effrayant. Une méchante sorcière l'a transformée en singe. Pour briser la malédiction, Sheila doit utiliser un sort. Mais le grimoire est enfermé dans un coffre. Pour l'ouvrir, il faut un code à 6 chiffres. Peux-tu l'aider à déverrouiller le coffre ? Il y a exactement 6 bougies sur l'étagère au-dessus du coffre. C'est un indice. Compte les points sur chacune des bougies et tu obtiendras le code 2, 4, 3, 6, 2, 1. Il y a 4 grandes maisons dans le quartier de Sheila. Elles forment une rangée et possèdent toutes des couleurs différentes. Rouge, vert, blanc et bleu. La maison de Madame Jones est quelque part à gauche de la maison verte. La troisième maison est blanche. Madame Serpent vit dans une maison rouge. Et Madame Cristal ne vit ni à l'un ni à l'autre bout de la rangée, mais elle vit quelque part à droite de la maison bleue. Madame Dylan, quant à elle, vit dans la quatrième maison. Et la première maison n'est pas rouge. Peux-tu deviner qui habite où et la couleur de la maison de chacune des voisines ? D'après ces indices, nous savons que la première et la troisième maison ne peuvent pas être rouges. Madame Dylan vit dans la quatrième maison,
Donc, Madame Serpent, qui possède la Maison Rouge, ne peut vivre que dans la deuxième. Comme Madame Cristal n'habite pas à l'un ou l'autre bout de la rangée, sa maison doit être la troisième qui est blanche. La maison de Madame Jones se trouve quelque part à gauche de la Maison Verte, ce qui signifie que Madame Dylan vit dans la quatrième maison. Quant à Madame Jones, elle vit dans la première maison qui est bleue. Peux-tu repérer le faux professeur ? L'homme debout à gauche n'est pas un vrai professeur, c'est un acteur. Regarde de plus près. Il y a une icône de caméra en haut de l'écran. Deux amis veulent traverser une rivière. Le seul moyen d'atteindre l'autre rive est de prendre un bateau. Mais ce bateau ne peut faire passer qu'une personne à la fois. Le bateau ne peut pas revenir tout seul vers la rive opposée. Et il n'y a ni corde ni rien pour aider nos amis. Pourtant, nos deux compères réussissent à traverser la rivière en utilisant le bateau. Comment est-ce possible ? Ils se trouvent sur les rives opposées de la rivière. Josh et Bob sont des jumeaux. Josh vit avec sa femme et Bob vit seul. Peux-tu deviner lequel des deux est Josh ? C'est le premier. Il a deux brosses à dents dans la salle de bain, alors que Bob n'en a qu'une seule. Il y a un voyageur du temps assis à cette table. Sauras-tu le repérer ? Les chaussures de cette dame sont vraiment passées de mode. Chuck entre dans un bâtiment sinistre où il est censé passer un entretien d'embauche. Soudain, quelqu'un verrouille la porte et Chuck se retrouve piégé. Il erre un moment et tombe sur ses quatre portes. Il trouve aussi une note. Seule la porte 3 mène à l'entretien d'embauche. Les autres portes te mèneront à un trou noir. Bonne chance! Peux-tu aider Chuck à choisir la bonne porte? Les symboles sur les portes sont en fait des chiffres. Chuck doit donc entrer par cette porte. Je te parle, tu me parles. Chaque jour, tu me sers contre toi. Pourtant, je ne peux pas te sentir. Que suis-je ? Je suis ton téléphone portable. Un monsieur et une dame discutent. La personne aux cheveux noirs dit « Je suis un monsieur ». La personne aux cheveux blonds dit « Je suis une dame ». Au moins, l'une de ces personnes dit un mensonge. Peux-tu deviner la couleur des cheveux de ces deux personnes ? Si une seule d'entre elles mentait, elles seraient toutes deux des messieurs ou toutes deux des dames. Par conséquent, elles ont toutes deux menti. Et donc, la dame a des cheveux noirs et le monsieur est blond. Peux-tu repérer ce qui cloche sur cette photo ? Il n'y a pas de lait dans la cruche. Peux-tu voir quelque chose de bizarre sur cette image ? Il n'y a pas de reflet dans le miroir. Peux-tu repérer le vampire ? C'est ce type ici. Fiona est une jeune sorcière. Elle trouve ses quatre portes dans un château hanté. Elle choisit l'une des portes et la passe. On entend les bruits d'une ville derrière la première porte. Derrière la deuxième porte, on entend des vagues. On entend le bruissement des feuilles derrière la troisième porte. Et des cloches sonnent derrière la quatrième porte. Par quelle porte Fiona est-elle passée ? Les empreintes de pas de Fiona par terre mènent à la troisième porte. Les bruits n'ont rien à voir avec le mystère. C'était plus simple que ça en avait l'air.
Billy se retrouve sur le toit d'un gratte-ciel, sur le point de s'effondrer. Il ne pourra s'en sortir qu'en utilisant l'un de ses quatre ascenseurs. Il y a un loup-garou caché dans le premier ascenseur. Si Billy choisit le deuxième ascenseur, il fera une chute de plusieurs centaines de mètres. Il y a des serpents venimeux dans le troisième ascenseur. Et des scorpions mutants attendent Billy dans le quatrième ascenseur. Une seule piqûre l'endormira pour toujours. Quel ascenseur Billy doit-il choisir ? Le premier. Regarde le ciel, la lune n'est pas pleine. Le loup-garou est donc inoffensif. Rachel rencontre trois de ses anciens amis d'école sur un parking. Ils veulent tous l'impressionner. Alors ils se mettent à parler de leur nouvelle voiture. Mélanie dit « Je voulais que ma voiture soit unique en son genre. Alors j'ai acheté celle-ci. » Peter déclare « Je viens d'avoir mon permis. J'ai donc acheté une voiture d'occasion. » Enfin, Samantha dit « J'ai acheté une grosse voiture parce que j'ai une grande famille. » Rachel devine tout de suite que quelqu'un ment. Et toi ? C'est Samantha. Sa clé ne correspond pas au logo de la voiture.